Au fût, le chien est rentré à la deuxième porte du slalom. Faute, cette fois-ci, il a sauté un putain. Il faut que le chien rentre à la première porte, qui rentre par le côté droit du slalom, c'est-à-dire son épaule gauche contre le piquet du slalom, et ensuite qu'il oscille jusqu'au bout. Donc il va sortir à l'opposé de son entrée. Aïe, aïe, aïe. Là, il allait chercher la passe. Ah, normalement, le chien est allé chercher la passerelle. Donc, d'élimination, puisque la règle numéro 1 de l'agility, c'est de suivre tous les obstacles dans l'ordre et dans le sens que le juge a prévu dans son tracé de parcours. Et là, j'avais pas prévu la passerelle, mais la balançoire à peu près. Au départ, un border collie de son état, quand vous voulez. Berger d'Écosse. Je vais vous dire, ça travaille au mouton, au canard, aux oies. Il y a un tunnel. Il y a un tunnel qui l'attire beaucoup. Refus. Il a franchi le premier piquet du mauvais côté et surtout, il n'a pas changé de côté. Donc, il est en refus de l'obstacle. Bien. Voilà, là, c'est une élimination, puisque le chien avait quitté la passerelle, puisqu'il avait mis les quatre pattes dans l'air. Le concurrent considère que la zone n'était pas aussi piquée qu'il l'aurait. Il veut que son chien s'arrête sur la zone, donc. Du coup, il remet sur l'obstacle. Et au vu du règlement, ça s'appelle une reprise d'obstacle. Et ça vaut une élimination.